Alors Denis, oui. C'est la finition, les soudures sont faites. Quelle a été la difficulté majeure sur la réalisation des totems ? Bah, ce qui me paraît important déjà, ce qui est inhabituel, c'est l'épaisseur. Donc 20 mm d'épaisseur, la tôle qui est ici, et 3 mm les panneaux. Alors la première difficulté, ce sont les déformations. Et la deuxième complexité, c'est la soudure qu'il y a entre les panneaux épaisseur 3 et la tôle épaisseur 20 mm. Quand vous voyez les totems presque finis, il y a encore de la finition, on va dire. Il y aura la peinture, la sérigraphie. Et une fois que la peinture des panneaux et la sérigraphie sera finie, il y aura le génie civil, donc la dalle en pied, fait par les services techniques de la mairie de Mondeville. Participer à la création comme une œuvre d'art, en fait, ça t'a plu, ça ? Ouais, bah, de faire une pièce client, déjà, nous, on en a moins que les chaudronniers. Donc, nous, de faire des totems, ça nous a plu. Bah, c'est la première fois qu'on travaillait sur de la tôle de vin. C'est la première fois qu'on faisait de la soudure en montant aussi. Et bah, c'est une très belle expérience, comme c'est des pièces clientes pour la mairie de Mondeville. Ça nous fait faire autre chose que nos pièces d'atelier. Et puis, on rend service à la mairie de Mondeville. Et voilà, ça nous apprend plus de choses. On fait la soudure au métal d'apport TIG. On n'en faisait pas en début d'année. Et puis, on a dû apprendre à en faire grâce au totem. Et puis, voilà, ça nous a appris plein de choses. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne expérience. J'aime bien. Et puis, voilà.